Salut, je suis Stéphanie Parent. Bonjour, je suis Patrick Castonguet. Nous sommes heureux de vous faire découvrir la Côte-Nord au travers de notre émission Aventure Côte-Nord. On va partir de Tadoussac jusqu'à Natashquan. Aujourd'hui, premier arrêt à Tadoussac, apprendre plus et même faire marin et sur le village de Tadoussac. Je m'appelle Marie-Ève Mullat, je travaille pour le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. C'est le GREM donc qui gère le centre d'interprétation des mammifères marins à Tadoussac. Je m'occupe des communications pour le GREM, mais je suis aussi rédactrice en chef de Baleine en direct. Le centre d'interprétation des mammifères marins, c'est vraiment l'endroit pour se préparer à une rencontre avec les baleines. Donc, si on choisit de faire de l'observation terrestre ou de l'observation en mer, on va sûrement avoir des questions, par exemple, comment les repérer, comment les identifier, comment reconnaître les 8 espèces qu'on voit dans le parc marin, les 13 espèces qu'on peut voir dans le Saint-Laurent. Donc, ici, on a un musée parfait parce qu'on peut toucher à tout. On peut toucher aux os, on peut toucher aux fanons. Et il y a des naturalistes sur place qui sont là pour répondre à vos questions. On a aussi une projection de films, on a des conférences, on a des ateliers. On a même des cours de chant de baleines durant l'été. Donc là, on peut tester nos connaissances sur la façon de faire des sons des baleines. Et après ça, tester comment on est capable de les imiter. Donc, c'est vraiment super ludique et intéressant. Ce qu'on a aussi de particulier, c'est que, dans le fond, le GREM fait de la recherche sur l'eau. Donc, on a un contact direct avec les chercheurs. On est capable d'avoir les dernières nouvelles du terrain. Le centre d'interprétation est vraiment ouvert à tout le public. C'est un endroit parfait pour les familles parce que, justement, on peut toucher à tout. Les panneaux d'interprétation sont bas, donc les enfants sont capables de les lire. C'est très ludique, mais c'est un sujet qui est très sérieux, donc aussi intéressant pour les adultes. Puis, je pense que les baleines viennent toujours chercher notre cœur d'enfant. Donc, à tout âge, c'est vraiment un beau centre d'interprétation. On vient de terminer notre rencontre, fait notre visite au centre d'interprétation des mammifères marins, puis c'est vraiment super. Premièrement, on peut toucher à tout, c'est assez rare dans un musée ou dans un centre, qu'on peut manipuler autant les squelettes, voire les dents. Ce qui m'a bien impressionné, c'est tout le temps la comparaison, même avec l'humain. Tous les parallèles aussi que notre guide nous a fait avec l'âge, je pense, de vie de 60-80, qui est vraiment comparable un peu à l'humain aussi. Même le fait, même la ménopause qui est présente chez les femelles dans certaines espèces, qui vont continuer à vivre même si la reproduction est terminée. Donc, impressionnant de voir les comparatifs là, avec nous et les mêmes femmes. Je trouve ça super. Alors, prochaine activité, on s'en va en Zodiac. On s'en va sur le terrain observer les mammifères marins. On espère d'en voir beaucoup. Alors, à bientôt! Catherine Dubé, je suis guide naturaliste pour Croisière AML. Croisière AML offre des croisières aux baleines à partir de Charlevoix, mais aussi de la Côte-Nord. À partir de Charlevoix, le départ est de Baie-Sainte-Catherine. Et sur la Côte-Nord, c'est le départ de Tadoussac. On a des croisières en Zodiac, croisières en gros bateau également. Plusieurs départs par jour qui sont offerts pour aller voir les baleines dans le parc marin.
L'observation ballon ici est vraiment géniale parce qu'il y a plusieurs espèces différentes au même endroit. Si je prends par exemple, on va à Cape Cod, à Boston, on va voir des baleines à bosse. À Vancouver, on va voir des épaulards. Bien, ici, à Tadoussac, c'est 8 différentes espèces de baleines qu'il y a. Et dans tout le Saint-Laurent, c'est 13 différentes. Donc, ça fait vraiment un site particulier. C'est beau aussi, les baleines, on ne se le cachera pas, c'est vraiment particulier. Surtout quand c'est une première fois, on ne doute pas que ça peut être aussi gros, que ça peut être aussi impressionnant. Donc, c'est vraiment un incontournable à Tadoussac. Il ne faut pas passer à Tadoussac sans aller aux baleines. C'est rare qu'on n'ait pas la chance d'en voir. Si ce n'est pas une espèce, c'est une autre. Mais d'un, le paysage est toujours là de toute façon. Il y a le fjord qui n'est pas très loin, qu'on a la chance d'aller visiter également. Mais je vous dirais qu'en 19 ans, j'ai fait 5 croisières sans voir de baleines. Donc, c'est quand même assez rare la probabilité, mais ça peut arriver. En fait, à part les baleines, il y a plein de choses à voir sur le Saint-Laurent. Il y a le phare du Haut-Fond-Prince, qui est un aide à la navigation au large de Tadoussac, qui est vraiment connu. Sinon, il y a le fjord de la rivière Saguenay, il y a la chute du caribou qui pisse. On l'appelle comme ça par rapport au débit d'eau, qui n'est pas nécessairement de grands lacs ou de grandes rivières au-dessus. Sinon, dans le fjord, il y a une colonie de phoques, phoques communs, qui sont installés, une soixantaine environ. Normalement, ils étaient beaucoup plus hauts. Et depuis quelques années, on commence à venir s'installer plus près de Tadoussac, donc on a la chance de les observer. Donc, ça fait une belle observation également, parce que les phoques, on est habitué de les voir dans l'eau, quand on est en croisière. Mais quand on entre dans le fjord, on peut les voir couchés sur les rochers. Dans les espèces de baleines qui viennent à Tadoussac, les premiers arrivés en début de saison sont la plupart du temps les bélugas, ensuite les petits rorquals, les rorquals communs, puis après c'est une surprise. C'est toujours les mêmes baleines qui reviennent à saison après saison. On les connaît et reconnaît, on fait de la photo-identification, comme ça on sait lesquelles reviennent et lesquelles ne reviennent pas. Et on sait quand ils arrivent avec des bébés également, on arrive à savoir qui est la mère en faisant de la photo-identification. Justement complémentaire avec le GREM, qui est associé au Centre d'interprétation des mammifères marins ici à Tadoussac. Donc oui, on connaît les baleines, c'est sensiblement toujours les mêmes, mais il y en a toujours de nouvelles qui viennent se greffer au lot. Pendant la croisière, il n'y avait presque pas de vent, pas de vagues non plus, gros soleil, on était super bien, on ne pouvait pas demander mieux que ça. En plus, les baleines étaient au rendez-vous. On était proches, les bancs sortaient à gauche, à droite, puis c'était impressionnant le son, vraiment d'entendre quand ils montent en surface, de les voir plonger. J'avais déjà vu des baleines en kayak avant, mais d'aussi proche que ça, je pense que ça vaut le détour. Là, on vient finir notre croisière, on aurait juste à repartir à l'hôtel, on n'est pas super loin. On va aller se réchauffer un peu, petit service de bar qui est là, des belles chambres. On va aller prendre possession de la chambre, tranquillement se préparer pour le souper. Merci. Merci. On vient juste d'arriver à l'hôtel Tadoussac. On est parti de la marina, on est à 2 minutes à pied de l'hôtel. On s'est fait super bien accueillir à l'hôtel. On est monté à l'étage pour avoir notre chambre. On a même une belle terrasse au deuxième étage avec la vue sur la mer. C'est parfait. Écoute, on ne peut pas demander mieux que ça. On est super bien. Mon nom est Tina Tremblay, je suis directrice générale de l'Hôtel Tadoussac. Donc, le premier Hôtel Tadoussac a été construit en 1864. En 1941, ils l'ont complètement détruit pour reconstruire celui-là dans lequel on est, en 1942. Parce que celui de 1941 était complètement désuet. Puis le président de l'époque, de la Canada Steamship Line, parce que le propriétaire d'hôtel était la Canada Steamship Line, donc, le président voulait avoir un hôtel moderne et sécuritaire. C'est la raison pour laquelle il a fait construire celui-là en 1942. Donc, l'hôtel a toujours été un hôtel de villégiature. À l'époque, il y avait les grands bateaux blancs qui venaient à Tadoussac, qui a toujours été touristique, Tadoussac. Donc, l'hôtel accueille des milliers de visiteurs à tous les ans, là, depuis cette époque-là.
Maintenant, c'est sûr que les gens, si on regarde notre clientèle présentement, 35 % de notre clientèle est européenne. Donc maintenant, les gens arrivent de partout à travers le monde. C'est plus facilement accessible de venir à Tadoussac, là, ces jours-ci que ça pouvait l'être à l'époque. Là. La période des bateaux blancs s'est terminée en 1967. Donc, depuis ce temps-là, ben, il y a encore des touristes. Pour plusieurs touristes, Hôtel Tadoussac, c'était le grand chalet d'été. Les gens venaient ici une semaine, deux semaines, un mois. Donc, c'était vraiment la place pour venir. La publicité de l'époque, c'était de venir faire du bien à sa santé, de venir prendre, de respirer du bon air. Puis je pense que c'est encore ça aujourd'hui. Les gens viennent à Tadoussac pour prendre une pause, pour vraiment se faire du bien, pour vraiment respirer l'air pur, profiter de la nature, puis aller aux baleines, naturellement. Les croiseurs aux baleines se sont développés avec le temps, puis qui est un produit d'appel encore très important aujourd'hui. L'hôtel est situé en plein cœur du village, avec une vue sur la baie de Tadoussac. Donc, on sait que la baie de Tadoussac fait partie du club des plus belles baies du monde. Donc, ce qui impressionne, puis on le voit en entrant dans l'hôtel, cette immensité devant nous, c'est le fleuve Saint-Laurent, c'est la rivière Saguenay, c'est les grands espaces. Donc, les gens viennent vraiment pour prendre une pause, puis aussi profiter de tous les éléments autour, que ce soit au niveau culturel, patrimonial, événementiel, des événements importants. Tadoussac, le Festival de la chanson de Tadoussac à la fin juin. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant à faire. Il y a des musées, la petite chapelle, la plus vieille chapelle de bois en Amérique du Nord, qui a été construite en 1747. Ça vaut le coup, c'est important. C'est un petit village qui a réussi à garder toute son authenticité à travers les années. Donc, Stéphanie Patrick, j'espère que vous avez apprécié votre séjour à Hôtel Tadoussac. Tadoussac, c'est les portes de la Côte-Nord. Vous êtes à votre premier arrêt. Puis je vous souhaite de découvrir tous ces éléments grandioses tout le long de votre parcours. Vous allez voir des choses assez extraordinaires et impressionnantes, j'en suis certaine.